La rencontre s'annonce très musclée car les deux équipes se connaissent bien. L'ambiance est superbe, le stade est vraiment multicolore, on devrait bien s'éclater. Un gros dégagement qui enlève tout danger. Encore une occasion de centrer. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Encore une belle occasion. Attention à la remise en jeu. Pas moyen de passer cette fois. La passe a été interceptée. Tire de si loin. Le goal la bloque. Encore une occasion de centrer. Provoquer le gardien. Il a dégagé. C'est une occasion de marquer le premier but. Non, la charge n'est pas bonne, dit l'arbitre. Ça ne va pas être facile d'ici. Passe profonde interceptée et dégagée par sécurité. L'attaque n'a rien donné car dévié en corner. Il passe sous le nez du gardien. Quelle belle demi-volée! D'une aile à une autre. Encore une belle occasion. Facile pour la défense. Encore une occasion de centrer. C'est dégagé. Va-t-il frapper? Le ballon a franchi la ligne.
quelque chose. Il s'infiltre dans la surface adverse. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Encore une occasion de centrer. Pas de souci pour le gardien sur cette action. Et si la défense ne fait pas un pressing plus haut sur les attaquants, je peux vous dire qu'il va y avoir des tirs qui vont partir de tous les coins du stade. Ederson. Il essaie de prendre à défaut la défense. Nouvelle occasion de centrer. Il se défend bien. Winkel. Il frappe directement. Ballon travaillé vers la cage. Le danger est écarté. Encore une occasion de centrer. Il manque vraiment de coordination. Ils peuvent construire quelque chose. Oliech. Allez, il y est presque. Quelle frappe! À quelques millimètres près, c'était cadré. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Attention, il peut marquer. Ils échappent au danger au coup d'une remise en jeu. Il décoche un tir. Il en essaie un autre. Et c'est dedans, merveilleux. On n'était pas encore rentré dans les 5 dernières minutes. Et ce but est vraiment très important. Et ça m'étonnerait qu'il ait fait esprit de marquer en voulant taper le poteau droit. Mais en tous les cas, il y a but. On ira quand même Christian lui demander à la fin du match. Écoutez ce stade, c'est merveilleux. Que c'est beau de voir ces gens chanter. Ils ont pris de l'avance, 1-0. Ça, c'est le moment idéal pour marquer un but. Ils vont être en pleine confiance. Voilà, tu peux attaquer la deuxième période en plein boule. Il est hors jeu, il ne faut pas oublier de revenir. Erreur défensive, ils vont peut-être en profiter. Oliech. Il peut marquer un but. Et c'est au fond. On ne les arrête plus. Incroyable. Quelle belle série nous vivons en ce moment. Dans la surface, ce genre de joueur se jette sur tous les ballons comme un mort de faim. C'est un renard des surfaces. Il marque à nouveau. Joli doublé. À mon avis, il va même essayer d'en planter un troisième.
2-0, c'est vraiment une bonne avance. Ils ont marqué le but qu'ils voulaient. Là, ils ont fait le break. Ça y est, c'est fait. Mais ils doivent quand même encore garder le pied sur l'accélérateur. Et faire attention à ce qu'ils ne se déconcentrent pas, surtout à l'arrière. C'est sûrement la dernière action du match. Encore une occasion de centrer. Quelle lecture du jeu, il n'y a rien à dire. Dégagé par le défenseur. C'est déjà la pause, je n'ai pas vu le temps passer. Début de la seconde période, les entraîneurs ont dit ce qu'ils avaient à dire. Voyons si les joueurs vont appliquer leurs consignes. Bonne réaction de la défense. La défense a récupéré le ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Il manque vraiment de coordination. Encore une occasion de centrer. Bien joué de la part du défenseur, ce sera un corner. Chandelle, superbe tête. La touche finale laisse vraiment à désirer. La frappe est décochée. C'est la panique totale dans les cages, mais les défenseurs sont venus à la rescousse de leur gardien. Ils peuvent construire quelque chose. Centre repoussé de la tête. Il conserve la possession du ballon. Nouvelle occasion de centrer. Il l'a mal capté. Excellent travail défensif. Le gardien a vraiment eu chaud. Dégagement. Oliech. Ce tacle n'est pas réglementaire. Coup franc. C'est un peu loin pour tenter un tir au but. C'est dégagé. Ils peuvent construire quelque chose. Bonne réaction de la défense.
chance. Premier changement de ce côté-ci. Pas étonnant qu'il soit remplacé. À mon avis, il était loin d'être en forme. Je ne pense pas qu'il soit très content de son match aujourd'hui. Encore une occasion de centrer. Facile pour la défense. Il a trouvé le décalage. Oui, la demi-volée. L'entraîneur doit être très mécontent de son gardien, mais heureusement, la défense a très bien réagi sur le coup. Ça peut être extrêmement dangereux. À travers la défense. Une solide défense ici. Le ballon est toujours pour eux. Dangereux. Ils ont besoin d'aide derrière. Le danger est écarté. Bien défendu, le ballon est récupéré. Ils peuvent construire quelque chose. Il y a Chipelba. Belle tentative, dommage, mais elle n'est pas assez précise. On a senti que sur son appel, sur son appui, il n'était pas en équilibre. Je pense que c'est pour ça qu'il a foiré sa frappe. Van Buckering. La situation est bien contrôlée. Ederson, qui a pour le moment deux buts à son actif. Biskerov. Et Inkel. Et le gardien récupère le ballon. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Oh, ce ballon va remonter très vite. Les défenseurs semblent un peu perdus. Les tacles ne servent à rien. Attention, ça peut être dangereux. Le portier récupère le ballon. Il frappe de toutes ses forces. Bonne maîtrise du ballon. Il a mis le pied sur le ballon. Bien défendu, le ballon est récupéré. Le ballon circule bien, il y a de bonnes combinaisons. Tout ça, c'est bien joli, mais il faut tout de suite marquer. Maintenant qu'ils ont le ballon, ils arrivent un peu à le conserver. Ça peut suffire. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Gurinkel. La passe en profondeur est réussie. C'est dommage, il faut rester concentré pour viser le cadre. Ça, c'est vraiment la frappe ratée, alors je pense qu'il avait le temps. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Il faut jouer le ballon, pas le joueur, plus fort. C'est leur deuxième remplacement de la partie.
Là, par contre, je ne sais pas si l'entraîneur le sort pour le protéger ou pour être sûr de finir à 11. Il est hors jeu. Bien vu de la part de l'arbitre. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Van Buckering. C'est bien de la part des défenseurs. Il va y avoir de la pression dans ce couloir. Quelle frappe! Encore une occasion de gâcher car le tir n'est pas cadré. C'est impossible de marquer de là à l'angle trop fermé. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Sortie du gardien qui s'empare du ballon. Bien vu. Oliech. Il l'emporte dans ses duels aériens. Ne pas oublier le placement, il est hors jeu là encore. Oliech. Le portier est bien présent, il a le bon geste. Ederson. Et c'est un but! Oh non! Le drapeau est levé! L'arbitre l'a jugé hors-jeu et le but est refusé. Oui, le juge de ligne avait bien levé son drapeau. Et c'est l'arbitre du centre qui s'est réveillé un petit peu tard. Mais c'était quand même la bonne décision. Il s'agit là du dernier changement autorisé dans ce match. C'est vrai qu'il n'était pas dans un grand jour aujourd'hui. Ce remplacement me paraît normal. Bien joué de la part du défenseur. Belle passe en profondeur. Non, le ballon a été intercepté. Ederson. Nouvelle occasion de centrer. Facile pour la défense. Van Buckering. Elle est belle cette passe. Tentative de la tête. Encore un but. Quelle démonstration ce soir. Ce fut un régal. Vous avez vu ce but de la tête. Il a gardé les yeux fixés sur le ballon. Il savait exactement où il allait le mettre. Ce but va sans doute peser lourd. Avec un tel retard désormais, ça s'annonce très compliqué pour les autres. À 0, et franchement ça roule tout seul. Ça c'est vraiment du bon boulot. Ça peut être extrêmement dangereux. Le ballon est attrapé par le gardien. Cette équipe a vraiment perdu le nord. Ils sont désemparés. Ils auront bien du mal à refaire leur retard. Oliech. C'est bien de partir en contre. Belle
Belle passe en profondeur. Beaucoup trop dévissé à droite. Ça peut paraître facile, mais dans un duel, c'est souvent le gardien qui fait la différence. Ça ne fonctionne pas. Non, c'est trop physique, coup franc. C'est un carton jaune et il est justifié car vraiment la faute est flagrante. Désormais, il va devoir faire attention. À cette distance, sa frappe est imparable. Ça va peut-être rentrer. Moins de 5 minutes avant la fin du match. Ederson. Il sort de son but et capte le ballon. Le compte à rebours continue. Van de Kering. Il faut bien reconnaître qu'il s'accroche encore. Le ballon circule bien, mais il faut concrétiser ses mouvements. Oliech. Oh, que ça va partir vite. Ils peuvent construire quelque chose. Quelle frappe! Excellent travail défensif. Le gardien a vraiment eu chaud. Quelle belle occasion! Que va faire le gardien? But, c'est au fond et la fête continue. Ils vont vraiment faire une démonstration jusqu'au bout. Et vous avez vu le ballon frapper le côté droit avant d'entrer. Dans sa façon dont il regarde ses crampons, je me demande s'il a fait exprès. Et en voilà 4, ils sont vraiment dangereux devant eux. Il reprend le ballon maintenant. Il y a du but en l'air. Et c'est dégagé. Du pied, dégagement sûr. Sortie du gardien qui s'empare du ballon. L'arbitre assistant annonce une minute de temps additionnel. Bien vu. Oliech. Encore une belle occasion. Trajectoire coupée par le défenseur. C'est fini. L'arbitre a sifflé. C'est la fin de cette rencontre. À des matchs comme ça, on en redemande, hein. Quelle attaque de feu! Franchement, il me tarde de les revoir. Vous savez,